C'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui est dans la livraison Le Nouvelliste week-end de la diplomatie et des réparations. Pour la première fois, Haïti va-t-il siéger à la commission sur les réparations de la CARICOM? Oui. Haïti avait-il le droit de siéger au sein de cette commission depuis 2013? Oui. Haïti était-il membre de fait de la commission sur les réparations de la CARICOM depuis 2013? Sans doute. Haïti a-t-il participé une fois aux travaux de la commission depuis 2013? Jamais. Haïti vient-il d'intégrer officiellement la commission de réparation? Oui. Dans les pages du Nouvelliste, les deux informations ont circulé, paraissant même être en contradiction. Il n'en est rien. Comme souvent, Haïti prend des engagements ou fait des choix lors de sommets et de réunions à l'étranger, et comme souvent, les suivis ne sont pas faits. Selon les informations disponibles, c'est le caractère sensible et très politique de la portée de siéger à la commission sur les réparations de la CARICOM qui avait freiné les responsables haïtiens en 2013. Le sort fait au président Jean-Bertrand Aristide était dans toutes les mémoires en 2013. Restitution et réparation avaient coûté cher à des politiques et au pays. Comme le premier ministre Gérard Latortue et le président René Préval avant lui, qui avait préféré entretenir de bonnes relations avec la France au lieu de revendiquer, les responsables de 2013 n'avaient pas donné suite à cette affaire de commission de réparation. Ces dernières années, certaines autorités ont acheté leur paix d'esprit, d'autres que le loisir d'aller boire du thé à l'Élysée, et le président Martelly a obtenu une visite du président François Hollande en Haïti, une visite à Paris pour lui et une promesse de millions pour l'éducation. Il n'a rien réclamé à la France et a évité de réveiller les chats endormis. Ni la promesse faite au président Préval de reconstruction du palais national après le séisme par le président Nicolas Sarkozy, ni la dette morale du président Hollande n'a eu de vraie suite. Haïti s'est fait avoir, mais au moins les présidents et le premier ministre concernés ont été au bout de leur mandat, contrairement au président Aristide. Aujourd'hui que l'Université d'État d'Haïti ramène sur la table la question des réparations, on ne parle plus de restitution. Le rôle de la CARICOM refait surface. La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuy, se lance dans un chantier qui ira au-delà de la transition. 2001, 2004, 2010, 2013, 2015, 2024, il y a eu plusieurs étapes sur la route qui doit nous conduire aux 200 ans de l'ordonnance de Charles X de 1825 qui donna naissance à la double dette en plus des malheurs de l'esclavage et de la colonisation. Franz Duval. Merci, Monsieur Célestin. Bonjour. Bonjour, Monsieur Célestin. Bonjour, Monsieur Sénat. Bonjour, Monsieur Geoffroy. Bonjour, Gaël, Germina, Liver, Docteur Edman. Et surtout, bonjour et félicitations à Monsieur Alphonse pour sa fin de week-end. Merci un pile, Monsieur Duval. Le week-end, tout est gagné. C'est un réel qui prend ça. Le point d'anime, moi, t'as pourri. Moi, t'es mangé, t'as pas mangé, pas ça. Ben, la fin, on va déjà. Merci un pile. Je m'en félicite pour bailler sérieux. On parle de Sénat. Bon, Monsieur Alphonse, nouveau dessin pour vous recevoir, oui. Ben, la vie, t'as mal. T'as suivi comme vous parlez, c'est réel. Ah, Monsieur Alphonse, soit demandé si vous battez. Vous avez une petite question, non? Oui, ah, bon, bien, Ah, vraiment. En tout cas, M. Florentino Pérez m'a demandé pour rembourser le Sénat. Ben, c'est ça, il mérite, lui. Mérite. Bonjour, auditeur, auditrice Magique 9, je suis très content avec nous matin. Bien content avec vous, FD. Pour la première fois, est-ce que Haïti pral siéger dans la commission réparation de CARICOM? Réponse lancée? Oui, réponse lancée, oui. Oui, oui, oui. C'est le ministre qui a annoncé ça, le ministre Affaires étrangères. Ou depuis loin, ou moins depuis loin, est-ce que tu as droit à faire ça? Depuis 2013, réponse encore, c'est oui. Il a droit à faire ça depuis 2013.
Haïti, est-ce que les membres, en tant que, membre de fait de la commission de réparation de la commission de la CARICOM, pardon, depuis 2013, ou de sans doute? Sans doute, oui, sans doute. OK. Haïti a-t-il participé une fois aux travaux de la commission depuis 2013? Jamais, jamais, jamais. Est-ce que Haïti intègre officiellement la commission de réparation? Oui. Dans nos pages, aux nouvelles listes. Alors, dans nouvelles qui se passent dans la semaine, au cas où deux nouvelles ça va circuler, à la fois, ils ont annoncé qu'Haïti prend la même commission, à la fois, ils ont annoncé que ce n'est pas une nouvelle parce qu'Haïti est la même commission depuis 2013. Toutes les nouvelles sont vraies, monsieur Alphonse. Nous sommes membres depuis 2013 de fait, mais nous ne sommes jamais allés. Dans les faits, nous ne sommes jamais allés. Est-ce que Kounia nous pourrait aller? C'est ça qu'annoncé. Mais tout ça vient de faire comprendre, ça crive nous avec. Dit, Haïti est dans les conférences, dans les sommets internationaux. Souvent, Haïti signe des papiers, Haïti prend des engagements, Haïti bat voile, Haïti dit qu'il voulait participer à nos bagailles. Et puis après ça, les chefs qui ont venu, chefs n'ont pas fait suivi, yo, ou bien nous pas payer ça pour nous payer, nous pas payer fonds nécessaires pour diplomatie à régler, ça nous dit nous voulons impliquer nous là-dedans. C'est l'histoire de la diplomatie haïtienne et de nos responsabilités à l'international. Problème de suivi. Problème de suivi, M. Alphonse, bien que ne s'est pas passé en 2013, a raison que fait nous voir jamais aller. Allez. Monsieur Alphonse, c'est l'information que nous gagnons. Et ce caractère sensible et très politique de la portée de siéger à la commission des réparations de la CARICOM qui fait que Chefio t'est freiné en 2013. Parce qu'on connaît Monsieur Alphonse, des poils n'importe la réparation, Monsieur Alphonse. On a qui a son affaire. Oh oui, et puis ça se veut un colonial. Voilà, particulièrement, ça concerne nous. Hein? Ouais, la France. Bon, la France, bon, même disons c'est Espagne, c'est le département des réparations, quand même des réparations à tout le monde qui était colonisé. Bravo. Bon. En tout cas, en 2013, selon l'information nous joignent, le sort fait au président Jean-Bertrand Aristide en 2004 était dans toutes les mémoires. Bref, mon songe que restitution et réparation ont coûté cher à M. Aristide, à du parti politique là et à pays en général, c'est comme ça que Crason quitté ça. Il n'y a pas à le siéger dans la commission de réparation en 2013. FD, aidez-moi à comprendre. Restitution, réparation, c'est même bagaille. Non, Sinon, qui dit quoi? c'est différent. Réparation, tout pays qui était colonisé, qui était esclavage, d'accord, est concerné. Au moins des réparations pour ça, été fait. Restitution particulièrement concernée Haïti et Haïti seulement, parce qu'Haïti c'est un rare pays dans l'Amérique là et sous la terre qui est obligé de payer en dette, en cob, non, payer en cob pour reconnaître l'indépendance. Et c'est cob ça que nous avons pris engagement payer la France tant que nous créer ça, c'est la double dette. Nous devons la France, nous bataille pour nous payer la France, comme nous ne pouvons pas payer la France, nous prêter comme nommer des banques en France pour nous payer la France. Mais comme c'est une extorsion, c'est avec bateau et les âmes sur nous, parce que bateau c'était des canonnières, et bien Haïti vient découvrir que les pays ont double dette qui pas normale, qui pas légale, qui était une espèce d'extorsion. Et bien, le président Jean-Bertrand Aristide, en 2004, bien avant 2004, à partir de 2001, il commence à parler de restitution, réparation. Calcul était fait, des années plus tard, économistes français, économistes américains, tout le monde a fait calcul, ouais, à peu près à quelques millions près. C'est ça, le président Aristide demandé en 2004, là, qui toujours est représenté par comme la France était prenne en Haïti. Ouais, Thomas Piketty, tu fais calcul là, tu confirmes. Oui, mais il y a l'autre économiste tout à fait pour mes New York Times qui est arrivé à peu près au même chiffre. 21 milliards, 28 milliards, bon, des milliards et des milliards, M. Alphonse. Ça, mieux comprendre, Baptiste. Donc,
Et grand pile président et chef et après expérience Non, et alors c'est pas en 2013 seulement nous baille vague. Femme tout depuis 2004 nous baille vague. Premier ministre à la tortue était plutôt alboueté dans l'Élysée qu'elle te parlait de Paul Sarr avec la France. Président René Préval t'a accueilli Nicolas Sarkozy, qui était impliqué dans le GT président Aristide, parce que Nicolas Sarkozy là, ça a été chef, t'es ministre intérieur en France. Le président Préval était plutôt accueilli lui. Et président Sarkozy était venu après 2010, il était fait tourner en hélicoptère, il était gardé, il était même promettre la préparer par la reconstruire par les nationales, M. Alphonse. Vous songez, M. Alphonse, vous êtes là où vous êtes grand timoun. Ouais, je demande des codes templiers, Bon, en tout cas, M. Alphonse, depuis le Sahara, tout le monde va vague et personne ne va pas le réveiller, c'est chat qui dort, M. Alphonse. Maintenant, bon, là, vous rappelez que, bon, il était passé le 9 à Mais oui, parce que ces dernières années, les autorités ont acheté leur paix d'esprit, d'autres le loisir d'aller boire du thé à l'Élysée. Le président Martelly lui-même t'a obtenu une visite de François Hollande en Haïti, ou t'es là, M. Alphonse? Je t'ai fait déclaration de Paris Match. Non. Paris Match? Oui, le journaliste qui citait moi, c'est Dindab Dilmé, ça peut être. Il dit samedi. Bon, bref, il passe. C'est là où t'es dit ça? Non, les gens disent on s'en fout de la dette morale. C'est ce que les gens ont dit. Mais je dis au personnel, il faut dire on s'en fout de la dette morale. Bon, Mais vous bref. répétez ça, Mounio Diamé, M. Alphonse, c'est quoi, lui? Bon, Ça, quand je me dis qu'on consomme des mathématiques. il y a une liste, ça, M. Alphonse, tout ça déjà, son va être sensible. Oui, non, ça c'est bien. Ça, Depuis le rapport de pour me traiter déjà avec oui. Oui. Et a obtenu une visite du président François Hollande en Haïti, ça, c'est président Martelly, président François Hollande de Vinil, de même Bitel tombé devant statut Toussaint. Et président Martelly, tout a fait une belle visite à Paris, des larmes, de la visite à Paris, me songez, grand accueil pour président Martelly. Je te promets 50 millions pour éducation, M. Alphonse. Sous qu'on compte comme ça et qui ça le fait, M. Alphonse, on va faire me connaître. Donc, que ce président Martelly promesse, il n'y a pas eu de vrai suivi. Non, il n'y a pas eu de vrai suivi, M. Alphonse. Il n'y a pas eu de vrai suivi. Et Haïti s'est fait avoir, mais au moins les présidents et les premiers ministres concernés ont été au bout de leur mandat, contrairement au président Aristide. Parce que, bah, là, tout, au carré, on l'a dit. Au carré, vers à moitié, au carré, vers à moitié vide, Haïti par une promesse, c'était fait lieu. Au carré, vers à moitié plein, chef, c'était réussi, fait tout mandat. Donc, vous faites des restitutions de réparation et j'ai bien compris. Oui, M. Alphonse, c'est deux ambassadeurs français qui expliquaient ça dans le New York Times. On dit, puis loin l'éditorial là, aujourd'hui que l'Université de l'Haïti ramène sur la table la question des réparations, on ne parle plus de restitution, le rôle de la CARICOM refait surface. Toi, Mais voilà, maintenant, l'Université d'État dit que la commission le mettait sous pied. Et qui prend le travail sur la question de réparation, bien que l'entendez de ça, M. Alphonse, il y a plusieurs bails mélangés ensemble. Comme si je me songeais, pour monsieur qui te parlait sur magie, qui dit comme si nous allions parler de affaire l'IDES. Enfin, un bon bail, M. Alphonse. Bon. En tout cas, bref, on mélange des choses. Mais en tout, c'est réparation qui retourne sous tapis. Hein. Mais là, le nouvel ministre des Affaires étrangères a lancé le long chantier qui ira au-delà de la transition. Parce que bah, ça va être bah, de long terme, très longue haleine. Et bon, on va regarder, M. Alphonse. Parce que bah, ça, depuis 2001, l'a parlé. En 2004, nous connaissons le débat comme conséquence. En 2010, le président Sarkozy vini, nous avons traité longtemps. En 2013, nous avons eu une chance dans le comité de réparation, nous pas allé. En 2015, c'est le président François Hollande qui devine payer la dette morale. En 2024, Haïti est entré dans la commission de réparation. Il y a eu plusieurs étapes sur la route qui doivent nous conduire aux 200 ans de l'ordonnance de Charles X de 1825. Parce que l'année prochaine, M. Alphonse, ça fait 200 ans depuis que tu es venu peser Kounou et tu es venu signer papier. En tout cas, dossier à ministère des Affaires étrangères, on va voir ce qui va être fait avec. Nous allons suivre et depuis là où tu dis là, il faut nous souligner des faits
une belle interview avec un professeur. Je m'en suis songé dans le pendant ma parole avec vous. Là, sous comment l'on dit là, je pensais que nous fait nous d'une première comme là, et puis nous prêter comme, et puis nous rentrer dans la spirale de la dette, dans 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 la dette. Oui. Là, En c'est. fait, ça fait non seulement ça fait ne pas qu'à développer. Nous n'avons pas qu'à développer. Avant de ça, faut nous dire. Et c'est nous, c'est mon élite, nous, qui fait là, ça, la deuxième partie, deuxième casse Oui, quoi. nous sommes forcés, nous sommes forcés. Oui. Ça, c'est un journal là, s'il vous plaît, week-end. Bon, deux passages en France presque fait tomber là, monsieur Alphonse. On parle d'assiette nettoyée. Il y a une photo dans le week-end, il y a une photo. Je dis son Oui, seul monde qui a une assiette. ça Chut, hein, c'est pas d'avoir ça, monsieur Alphonse. Moi, je fais un souris, bon. Et bah, si je Oh, problème, c'est les photos, monsieur Alphonse. Les photos parlent. Et bien, les photos par lui, et c'est quoi du délire, du vent chaque concerné. Ah, monsieur Alphonse. Monsieur Alphonse, vraiment, monsieur Alphonse. Oui. Ah. Dans la gueule, tu ministre pas qu'a fait ça que fait là, bon, bref, j'assume que c'est moi qui ai quitté l'assiette, bref. Non, elle m'appelle qui se nettoie, c'est toi, j'aime le nettoyer. Non, monsieur Alphonse. Non, c'est moi, oui, c'est moi, c'est moi. Oui, c'est vous, c'est vous, c'est vous, monsieur Alphonse. En tout cas. Et nouvelle ce week-end a sorti avec plusieurs articles dans Uni. Premier article là, c'est le programme Biden temporairement interrompu. Week-end a été très mouvementé pour tout le monde qui a autorisation de départ. Gain yo bloqué, gain passé par accident, gain kounya, semble-t-il, qui a trié parce que gain moun qui t'a fini autorisation de départ. Les États-Unis découvrent des gain faille dans le dossier. Bon. Bref, et tout le monde qui va bien partir là, ils sont concernés par, d'accord, des nouvelles répercussions, ça, qui gagnent un dossier programme Biden, non? N'a pas suivi. Pendant ce temps, l'association de défense haïtienne a boumé tout. Il y a un tribunal, il y a une réunion politique pour essayer de résoudre le problème, non? Mais il y a un vrai enjeu pour les jours à venir, d'autant plus que les États-Unis ont une période très électorale, monsieur Alphonse. Oui, monsieur Dubois. Les forces armées d'Haïti souhaitent recruter 1 500 soldats cette année. Bah, on soit bien inscrit, monsieur Alphonse. Si Ben qui veut, si je ne chasse la monde, s'il va quitter Canada pour venir dans le monde, dans vie, ça. Moi, on est un petit peu un projet, une chef. Oui. Plus de 121 000 candidats attendus aux examens de fin d'études secondaires. Le ministère de l'Éducation nationale se dit prêt. Visite de courtoisie du ministre de la Justice au Novelis. Le ministre Carlos Hercule qui était visité au Novelis vendredi. Recette douanière, plus de 9 milliards de gourdes en juillet. La douane continue à Kembe Mdaka cap là. Il fait plus que sa prévision était dit, malgré situation économique même détériorée. Marche urinaire dans l'histoire olympique. Vous connaissez ça, M. Alphonse? Non. Nous avons manqué éclairé, M. Alphonse. M. Marchand, son nageur là, qui a fait des battre record sur record. Un petit bonhomme, 22 ans, qui nageait comme si il nageait dans son torpille, tellement il nageait bien. Teddy Riner, son judoka. Un judoka, qui a 35 ans, et ça, qui continue à prendre médaille d'or, à battre monde. Bon, après ça, il y a Simone. Simone, qui a dit, M. Alphonse? On est mal clair, parfois. Simone Biles, monsieur François, regardez Simone Biles. Bon, en tout cas, M. Alphonse, on a dit Bildu, parce qu'en français, il Oui, va vous donner oui. cela. Où qu'a dit Bon, en tout cas, Bildu? Simone, M. Alphonse, Simone, Oui, oui. 2,42 m, M. Alphonse. Oui. 1,42 m. Oui. Coup de passer le baguette, non, M. Alphonse? Non, mais la Mais bébé, c'est comme talentueuse une partie du baguette. Et non, c'est dans la c'est comme gymnastique, et il bat des records, des records et des records. Nous voulons parler de l'athlète, ça. Pradel Populus, une énorme contribution à la littérature haïtienne, professeur Pradel Populus. Alain Thionnier réhabilite le général Mérisier Chanis. La liberté de la presse entre le droit d'informer et le devoir d'être responsable de Renan et Douville. Et puis, dernier article là, Lascar au Bas, M. Alphonse Napéou. Enfin, il y a Napéou, comme vous faites quatre côtés. Oui. Lascar au Bas, quand le football cède la place au commerce, t'es qu'on seul terrain de football dans la ville là, magistrat a décidé la fond marché là-dedans, pito. Oui, m'y a-t-il ça avec mais vraiment tristesse parce que c'était le football ça et les vacances c'est là toute ville là pratiquement convergé, t'es pas la saut qui t'es qu'on l'aime de petit marché
à Mégaphone annoncé qui match Kibrel gagne, le m'a dit c'est tout ça que fait. Bon, ça, c'est un petit genre, c'est très choqué. Un bel article hein, qu'il faut lire. Oui, tout à fait, un bel article qui méritait un coup d'œil. Si nous, même Mascara ou Basson, peut-être faire parler, le magistrat a décidé de faire un marché, je suppose que mairie a pris plus scope de marché là, que dans le football là. Mais en même temps, c'est la jeunesse qui l'a tué. C'est l'espoir qui l'a tué. Oui, mais marché, bon, bon marché, ça se passe. Et c'est tant qu'on te gagne, tu magasin qui t'a vendu à faire, et gagne marché, bon, là, bon, bref. Faut me gagner un update là, mais tu connais, t'es toujours gagne marché. Et, dans tête que c'est François en l'air, donc, bon, En tout bref. cas, nous parlons de François des matchs, nous connaissons ce qui se Alors, passe. tu bois, pardon, tu bois en l'air. En tout cas, ça se compte, monsieur Alphonse, ça se compte. Ouais. On a un journaliste qui prime, ça se compte. Ok. Je dis, on va faire des matchs, tout pour faire matériel là. C'est vrai. Non, c'est une souffrance, oui. C'est une souffrance. Surtout, moi, Daniel, à court, il me dit, j'en aime de la base, regardez, bah, c'est manger, une balle manger, bah, ça. Bon, bref. Voilà, c'est bien. Ça nous rappelle que le football, c'est encore le football, mais à la fin, c'est le Ouais. Real qui gagne, parce que le Real perd, parce que c'est pas ta vie la Cali, il va être en Espagne. C'est-à-dire. Ah, vous connaissez, monsieur Alphonse. Allez, non, monsieur Alphonse. Allez. Merci. Merci beaucoup, monsieur Dubois. Bonne journée, monsieur Alphonse.